Sur la préconisation 2 et 4, on les a reliés puisqu'il y avait à la fois la question des espaces de rencontre et de la confiance. On a beaucoup parlé de confiance. Les animateurs de la journée ont ensuite proposé une restitution des débats de l'après-midi. La journée s'est terminée par un discours de clôture. Le forum qui a été organisé aujourd'hui a associé les élus, certes, les professionnels, mais aussi un certain nombre de jeunes. Et c'est ça qui est l'intérêt de cette rencontre. Sur la façon d'accompagner des jeunes dans un parcours plus cohérent avec des CV. Je m'appelle Patrick. J'ai eu l'info par rapport au Conseil des jeunes angevins dont je fais partie. Et ça m'a intéressé parce que je pouvais donner mon point de vue par rapport au quartier. Et c'était un débat, c'est un débat au fait qui permet d'améliorer le quotidien entre les jeunes de quartier et les élus. Je pense que la journée elle a servi, elle a été constructive pour nous. Autant que pour les professionnels, les élus, je sais pas trop. Nous, parce que voilà, on a pu s'exprimer, surtout Farid. C'était bien, franchement, on a bien aimé la journée. La journée s'est bien passée, c'était un peu speed quand même ce matin, parce qu'on était fatigués, nous, comme on vient d'Angers. Donc voilà, si nous, ensemble, tout allait bien. Je m'appelle Coralie, je viens de Saint-Nazaire. J'ai connu ce forum grâce à la maison de quartier de Carnédé de Saint-Nazaire, grâce à mon animateur. Et du coup, durant la journée, le matin, bien avec les jeunes, bon débat. L'après-midi avec les élus, les professionnels et les jeunes, bien, on a bien réussi à débattre avec les élus et les professionnels, c'était intéressant. Et ça a apporté un petit peu de choses, mais je pense que ça va avoir du mal à se mettre en place toutes ces choses, on verra avec le temps.